Mais aujourd'hui, nous allons parler sur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est vraiment la volonté de Dieu? Tout ce qui arrive dans ta vie, bien-aimé, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Tout ce qui arrive dans ce monde, bien-aimé, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Nous voyons les pandémies, parfois créées par des laboratoires. Nous voyons des guerres. Nous voyons des femmes qui sont violées. On voit des assassinats. On voit des vols d'enfants. Est-ce tout ça vraiment, c'est la volonté de Dieu? Tout ce que nous vivons, bien-aimés, actuellement, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Les combats qui arrivent dans ta vie, la maladie dont tu as souffert, bien-aimé, tous les complots que l'ennemi a manigancé contre ta vie, l'accident que tu avais fait, lorsque tu avais raté ces boulots-là, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Si tu souffres aujourd'hui, bien-aimé, est-ce vraiment la volonté de Dieu? Bien-aimé, tu dois comprendre une vérité. Ça peut-être te choquer, mais je vais te dire non. Ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est la volonté de Dieu. Non. Le diable va te tromper pour que tu croies que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, 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 non. Tout ce qui nous arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si Dieu existe, si tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu, pourquoi Dieu a permis COVID-19? Beaucoup de gens sont morts. Il y a même des pasteurs qui sont morts. Toi, tu penses que on viole ta fille de 10 ans. On viole ta fille de 10 ans. Et toi, tu pasteur, tu viendras nous dire que c'est la volonté de Dieu. Tu viendras nous dire que c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un entre dans ta maison, assassine ta femme. Tu dirais que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait des assassinats, qu'il y ait tous ces accidents, qu'il y ait toutes ces guerres que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne nous sauve pas de tous ces malheurs? Pourquoi? Lorsqu'on violait ta fille, où est-ce que Dieu était pour nous sauver? La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Pourquoi Dieu a permis cela? Bien-aimé, tu dois comprendre que ce n'est pas tout ce qui nous arrive qui est la volonté de Dieu. Nous allons lire la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 18. La Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne peuvent pas les toucher. J'aime beaucoup ces versets. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et les malins ne peuvent pas les toucher. Ce qui revient à dire, celui qui ne se garde pas lui-même, je pense que vous comprenez la suite. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et celui qui ne se garde pas, les malins peuvent les toucher. La Bible dit, celui qui se garde, les malins ne peuvent pas les toucher. Je continue verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. La Bible le dit très clair. Le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimé, ce monde est sous la puissance du malin. Ce monde est dominé par les méchants. Regarde même autour de nous. Regarde même les gens qui dirigent les grands laboratoires du monde. Regarde même ces gens-là qui dirigent des grandes firmes internationales. Les gens qui sont en tête de plusieurs entreprises, bien-aimés, essaye de voir. Les gens qui sont riches dans ce monde, je ne dis pas tout, mais la majorité, bien-aimés, essaye de regarder, essaye de bien voir. Lorsque tu regardes la télé, même tu regardes des films, tu regardes des séries, tu vois comment le monde des ténèbres opère même dans des films. Ils veulent vous faire croire que être homosexuel, c'est bien. Être gay, être lesbienne, c'est bien. Pourquoi? Parce que ces grandes firmes-là sont dirigées par des satanistes. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais comment le monde que Dieu a créé peut être sous la puissance du malin? Est-ce la volonté de Dieu? C'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi? Non, bien-aimé. Parce que le diable l'a ravi. A ravi à l'homme ce qu'il possédait. Lorsque vous lisez le livre de Luc, chapitre 4, verset 6, vous connaissez très bien cette histoire.
On parle du combat qui était entre Jésus et le diable. Luc chapitre 4, verset 6, écoutez. Et il dit, les serpents, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Le diable dit à Jésus, « Prosterne-toi devant moi, je te donnerai cette puissance, la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Moi, je la donne à qui je veux. » Bien-aimé, lorsque le diable avait dit à Jésus, « Prosterne-toi devant moi », Jésus a dit, « Je ne peux pas me prosterner devant toi parce que on se prosterne seulement devant Dieu. » Jésus recadrait le diable. Si le diable n'avait pas cette puissance dont il parle dans ces versets, si le diable n'avait pas le pouvoir de tous ces royaumes, Jésus allait les recadrer pour lui dire, « Non, non, tu n'as pas cette puissance, cette puissance appartient à moi. » Non, non, mais Jésus n'a rien dit par rapport à cela. Le diable le dit clairement. Le diable dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. » Jésus ne l'a pas recadré parce que c'est vrai. Le diable domine ce monde. Qui l'a donné? Comment cela l'a été donné? Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28. La Bible dit, « Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Dieu avait donné ce monde à l'homme. Dieu avait mis tout sous son pouvoir. L'homme a été créé pour dominer. L'homme a été créé pour régner. L'homme a été créé pour assujettir. Mais comme Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, « Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. » C'est ça le rôle du diable. Le diable l'a volé. Lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme a désobéi à la volonté de Dieu, lorsque l'homme a fait des choses en dehors de la volonté de Dieu, c'est comme ça qu'il a perdu ce que Dieu lui avait donné. Et aujourd'hui, c'est le diable qui a ses pouvoirs et il en fait tout ce qui lui semble bon, bien-aimé. Bien-aimé, Luc chapitre 13, verset 16. La Bible nous dit, Luc chapitre 13, verset 16. La Bible nous dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Jésus voit une femme qui était courbée. Il a guéri le jour du sabbat. Et les chefs des synagogues ont été indignés. Les pharisiens et les scribes ont été indignés. Jésus leur dit, « Cette femme est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. » C'est une fille d'Abraham, mais que Satan tenait liée depuis 18 ans. Bien, mais il y a beaucoup de situations qui arrivent dans nos vies. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Le diable va te tromper, bien-aimé. Que tu crois comme si que tout ce qui arrive dans ta vie, c'est la volonté de Dieu. Bien, mais il y a des moments où tu dois t'examiner. Tu dois regarder ta vie. Tu dois chercher Dieu en profondeur. Il y a chercher Dieu et chercher Dieu en profondeur. Lorsque vous m'écoutez, je parle souvent sur chercher Dieu en profondeur. Parce que je sais, moi-même dans ma vie, je l'ai vécu. J'ai prié pour des choses. Pendant des années, il n'y avait pas de solution. Mais le jour où je me suis décidé de chercher Dieu en profondeur, j'ai compris beaucoup de réalités sur ma vie. Moi, j'attendais. Je disais parfois que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Alors que non, bien-aimé. C'est vrai que les épreuves existent, bien-aimé. C'est vrai. C'est vrai que les épreuves existent. Mais bien-aimé, tes épreuves, depuis que tu es né, il y a toujours des combats, il y a toujours des situations compliquées, des situations difficiles. Depuis que tu es sur terre, bien-aimé, toi, tu es appelé à souffrir. Même Job, dans le bâton à Lingala, que je parle même à Lingala, même Job avait souffert, oui, mais Job était d'abord riche, bien-aimé. Il était d'abord riche et il a souffert après. Mais toi, depuis que tu es né, il n'y a que des combats, il n'y a que des choses bizarres. Tu n'as jamais été heureux. Tu n'as jamais été heureuse dans ta vie, bien-aimé. Regarde bien. Regarde bien, c'est qu'il y a quelque chose, bien-aimé. Tu dois chercher Dieu en profondeur.
Comment tu peux prier pendant des années et des années? La même situation ne change pas. Bien aimé, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut les refuser, bien aimé. Il faut les refuser. Comment tu peux rester dans les déserts des années et des années? Non, bien aimé, lorsqu'on demeure dans les déserts, on devient désertique. Non, tu ne peux pas devenir désertique. Même les enfants d'Israël étaient dans les déserts, mais il y avait quand même la nuée, la colonne des nuées et la colonne des feux qui les rassuraient que Dieu était avec eux. Mais toi, où est la colonne des nuées? Où est la colonne des feux? Lorsque tu regardes ta vie, c'est comme si Dieu t'a abandonné. C'est comme si Dieu ne t'aime pas. Il n'y a que des mauvaises situations qui arrivent dans ta vie. Et c'est quel Dieu comme ça? C'est marié, tu ne te maries pas. Que Dieu puisse accepter tout cela. Joseph aussi a traversé des situations très difficiles. Mais lorsque tu regardes la vie de Joseph, Joseph était persuadé que Dieu était avec lui. Parce que même lorsqu'on l'a vendu chez Potiphar, mais Joseph était devenu chef de tous les serviteurs de Potiphar. Dieu montrait qu'il était avec Joseph. Et même lorsqu'il était en prison, la Bible dit, on a fait de Joseph le chef de cette prison. Et aussi, lorsque tu lis très bien la Bible, tu vas comprendre que Joseph n'était pas dans n'importe quelle prison. Non, la Bible dit, on avait placé Joseph dans les lieux où on mettait les prisonniers du roi, les prisonniers des pharaons. Donc, c'était une prison dorée. Oui, il souffrait, mais il y avait des choses. Lorsque Joseph regarde, il se dit, non, Dieu est avec moi. J'étais chez Potiphar, là-bas. C'est vrai que j'étais serviteur, mais j'étais chef. La main de Dieu, il y avait la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis en prison, oui, mais je ne suis pas dans n'importe quelle prison. On m'a placé dans un endroit plus privilégié. C'est la raison pour laquelle les jours où les panetiers et les chansons des pharaons l'avaient offensé, ils ont été mis en prison, pas dans n'importe quel endroit. On l'avait mis là où était Joseph. Pourquoi? Parce que c'était un endroit privilégié. C'est le roi où on mettait les hommes et les femmes d'influence. On mettait les prisonniers du roi. Même dans la prison, il y avait seulement des signes. Comme la Bible dit, Dieu mettra la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Joseph était vendu en Égypte, mais il y avait la différence entre ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne servaient pas Dieu. Joseph voyait que ceux qui ne servent pas Dieu, moi, ils sont sous mon autorité. Moi, comme je crains Dieu, je les dirige. Même en prison, ceux qui ne craignaient pas Dieu étaient à gauche, mais Joseph était dans un endroit privilégié. On a fait de lui chef de prison. Mais lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu ne vois pas les bontés de Dieu, lorsque tu ne vois pas la main de Dieu, bien aimé, non, non, ça ce n'est pas Dieu, non. Non, bien aimé. Les choses compliquées arrivent dans ta vie à telle enseigne que tu as même envie d'abandonner la vie chrétienne. Non, ça c'est quel Dieu, bien aimé, ça c'est quel Dieu. Ah non, non, non. Les épreuves existent, oui, bien aimé. Mais lorsque tu regardes ta vie, tu vois comme si les choses n'évoluent pas. Depuis que tu as commencé à prier, il n'y a rien. Bien aimé, regarde bien. Regarde bien. Tu es enfant de Dieu, oui. Tu as donné ta vie à Jésus, oui. Mais quelque part, soit, tu as fait une erreur pour ouvrir les portes afin que les malins puissent avoir accès. La Bible dit, ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes. Mais lorsque toi, tu ne te gardes pas, la volonté de Dieu n'est pas par défaut. Ce qui nous arrive par défaut, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce qui nous arrive par défaut, bien-aimé, c'est la volonté du diable. Avant de faire un choix, bien-aimé, si tu ne consultes pas Dieu, la décision que tu vas prendre viendra du diable. Combien de gens ont fait beaucoup d'erreurs ici qui m'écoutent? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses sans consulter Dieu et ils sont tombés dans des pièges. Ils ont fait entrer des personnes qui ne fallait pas dans leur vie. Aujourd'hui, ils souffrent. Ils ont comme l'impression que Dieu les a abandonnés. Non, quelque part, toi-même, tu as ouvert les portes. Parfois, aujourd'hui, tu pries. Mais lorsqu'on regarde ta vie, tu es dans l'impurité, bien aimé. Tu es dans des choses bizarres, bizarres. Et tu dis que rien n'évolue dans ta vie. Alors que, bien aimé, lorsqu'on nous dit, marchez dans la sainteté, craignez Dieu, ne faites pas n'importe quoi. On a comme l'impression, oui, ah, pourquoi il nous parle toujours de toutes ces choses? Bien aimé, si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes. Nous voulons avoir à la fois le plaisir du monde et le plaisir de Dieu. Non, nous voulons au même moment être heureux dans le monde et être aussi heureux dans le Seigneur. Ça ne marche pas. Lorsque tu te dis, moi, je n'arrive pas à me supporter, je n'arrive pas à me contenir, je dois coucher de gauche à droite, et tu veux que Dieu te fasse grâce aussi.
Et lorsque tu le fais, toi-même, tu ouvres les portes. Dans ta famille, il y a tellement de sorciers, il y a tellement de gens qui en veulent à ta vie. Si tu ne fais pas attention à toi, bien-aimé, tu vas tomber. Le diable va en profiter pour te bloquer, pour te freiner, pour faire n'importe quoi avec toi. Bien-aimé, je le répète encore, Dieu existe. Notre Dieu est puissant. Le combat de ta vie n'est pas plus grand que notre Dieu. Les sorciers de ta famille ne sont pas plus forts que notre Dieu. Bien-aimé, notre Dieu existe. Notre Dieu est puissant. Lorsque la Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde, bien-aimé, c'est la réalité. Ce n'est pas une blague. C'est le Dieu qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais pourquoi tu es toujours malade? Mais pourquoi il y a toujours des femmes et des maris de nuit? Pourquoi il y a toujours des mauvais rêves? Pourquoi ce sont toujours les mêmes situations qui arrivent dans ta vie? Non, bien-aimé, regarde. Quelque part, tu as fait des choix sans consulter Dieu. Tu as fait des choses qui ont ouvert la porte au diable. Bien-aimé, j'aime ce que David dit dans Psaume chapitre 21. Nous commençons à partir du premier verset. Quand il dit de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, si l'Éternel est ton berger, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Est-ce que lorsqu'on regarde ta vie, l'Éternel est ton berger? Que je dise bien que je ne dise pas. Que je dise bien que je ne dise pas. Lorsque David dit que l'Éternel est son berger, il comprend qu'il est comme un agneau. David comprend qu'il est comme une brebis. Sans le berger, il n'est rien. Jésus le dit, David était un grand prophète. Ah non, David était un grand prophète. Jésus dit, je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Soyez simples comme la colombe, mais prudents comme les serpents. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Jésus le dit clairement à ses disciples. Je vous envoie dans ce monde comme des brebis au milieu des loups. Donc, si le berger n'est pas là, bien-aimé, tu seras dévoré. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi David le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David est conscient que celui qui sait exactement où se trouvent les pâturages, c'est Dieu. La brebis ne sait pas où est-ce qu'il va manger. La brebis ne sait pas se battre contre les loups ravisseurs. C'est pourquoi nous avons besoin du bon berger. Bien-aimé, lorsque Dieu te dirige, tu vas arriver toujours au bon port. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu marches avec les bons bergers qui marchent devant son peuple, bien-aimé, tu vas arriver à ta destination. Mais le diable viendra pour te troubler afin que tu tournes le dos au bon berger, afin que beaucoup de mauvaises choses arrivent dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ah, bien-aimé, il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, lorsque tu écoutes Dieu, prier c'est bien. Prier c'est une chose, mais entendre la voix de Dieu, écouter ce que Dieu veut de toi, bien-aimé, ça n'est une autre chose. Tu es une brebis de Dieu. Si tu es sa brebis, c'est que tu l'écoutes. Jésus dit, mes brebis me connaissent, moi aussi je les connais. Lorsque je parle, elles entendent ma voix. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu cherches Dieu en profondeur, Dieu mettra des convictions dans ton cœur. Fais ça, fais ça, fais ça, ça ne le fait pas. Lorsque tu pries vraiment sincèrement, bien-aimé, lorsque tu crains Dieu, tu pries vraiment sincèrement, bien-aimé, Dieu fera de ta vie, tu seras prophétique. Tu choisiras des choses sans comprendre pourquoi, mais tu sens seulement une conviction dans ton cœur que je les fasse. Tu les fais et demain tu te dis, ah non, Dieu était avec moi. Et si tu n'es pas enseigné, tu diras que j'avais le sixième sens. Bien-aimé, lorsque tu pries vraiment Dieu, tu laisses les bons bergers. David dit, il me repose dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Bien-aimé, c'est ce dont tu as besoin. C'est le mariage dont tu as besoin. C'est le travail dont tu as besoin. Les pâturages, c'est des marches-là que tu fais.
Dieu sait exactement comment te conduire pour y arriver, bien-aimé. Mais le diable viendra pour te distraire, que tu ne sois plus sensible pour que tu comprennes la volonté de Dieu. Et pendant ces moments, le diable va en profiter pour te troubler. Lorsqu'on a donné à Jacob Léa, c'était la nuit. Jacob ne voyait pas. Il est parti avec Léa. C'est le matin qu'il a compris que ce n'était pas la femme dont il avait besoin. C'est comme ça, bien aimé, lorsque tu prends des décisions là, pendant que tu es dans la nuit, pendant que tu es dans le sommeil spirituel, pendant que tu n'es pas dans la lumière, pendant que tu n'es pas encore dans une bonne relation avec Dieu, bien aimé, tu feras des mauvais choix, tu prendras des mauvaises décisions. Il y a des choses que pendant que tu ne pries pas, tu fais des choses, tu ne comprends pas pourquoi tu les fais. Mais le jour où les coups arrivent, le jour où le diable lance son grand assaut, cela va te tiquer. Tu vas te réveiller pour comprendre que voilà ce que le diable a fait dans ma vie. C'est le matin que Jacob a compris que ce n'était pas sa femme. Il a pris la femme pendant la nuit. C'est pourquoi, bien-aimé, fais attention de faire des choix pendant que tu ne pries pas assez. Fais attention de prendre des décisions pendant que ces temps-là, tu ne pries pas. Toi, tu es dans les sommets spirituels, tu es dans les lourdeurs pour prier. C'est pendant ces moments que tu veux faire des choix. Évidemment, tu ferais mauvais choix. Tu ferais mauvais choix. Il dit, il restaure mon âme. Ah. Lorsque l'Éternel est ton berger, il dit, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, Dieu va te conduire dans les sentiers de la justice. Dieu te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas faire. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais lorsque tu es avec Dieu, et personne ne te trompe. Si tu marches avec Dieu, tu le sauras. Si Dieu marche avec toi, bien-aimé, tu seras persuadé que je marche avec Dieu. David dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais, non, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Je traverse des situations compliquées. J'ai peur parfois. En tant qu'humain, je peux avoir peur. Mais mon esprit me dit, ne crains rien. 10 000 tomberont à ta droite, 10 000 à tes côtés, mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que tu marches avec les dieux forts, forts et puissants. Parce que tu marches avec les dieux forts et puissants. La Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Lorsque tu marches avec Dieu, tu sauras, tu seras plein d'assurance que non, tu marches avec Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dressais devant moi une table en présence de mes ennemis. Tu onduis ma tête et ma coupe déborde. Il dit, tu dressais devant moi une table en présence de mes ennemis. Donc Dieu organise une fête pour David en présence de ses ennemis. Donc, c'est-à-dire, pendant que tes ennemis, pendant que les gens qui en veulent à ta vie, ils vont chercher pendant la nuit pour mettre fin à ta vie. Ils vont t'envoûter la nuit. Le matin, ils se réveillent, tu es prospère. Ils se posent la question. Mais comment on l'a envoûté? Comment on l'a bloqué la nuit? Mais le matin, il est prospère. Parce que c'est un enfant de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un enfant de Dieu. Faites ce que vous voulez la nuit, mais le matin, lui, il sera prospère. Parce que c'est un enfant de Dieu. Il est le temple du Saint-Esprit. En lui, il y a un Dieu fort et puissant. Avant de les bloquer, commencez d'abord par bloquer les dieux qui vivent en lui. L'apôtre Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En présence de mes ennemis, ils sont là. Ils lancent des mauvais sorts, mais Dieu me rend prospère. Dieu fait que je puisse évoluer, que je puisse prospérer à tous égards. C'est ce que Dieu veut de ta vie. Nous allons finir. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
C'est quelle maison de l'Éternel dont tu parles? Je vous ai toujours dit, il parlait de notre compassion, notre corps et le temple du Saint-Esprit. En quelque sorte, David voulait dire, je garderai mon intimité avec Dieu. Je resterai toujours dans sa présence. J'aurai toujours une bonne communion avec Dieu. Et le bonheur et sa grâce vont m'accompagner. Lorsque tu gardes une bonne intimité avec Dieu, lorsque tu demeures dans une bonne vie de prière, bien-aimé, le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Bien-aimé, le diable va te tromper pour que tu dises, voilà, c'est la volonté de Dieu, alors que non. Marc chapitre 6, verset 4. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Bien-aimés, dans d'autres villes, Jésus faisait des miracles. Mais lorsqu'il arrive dans sa propre ville, Nazareth, comme ils se sont habitués avec Jésus, ils voient les choses de Dieu comme des aventures, comme une blague. La Bible dit, Jésus leur dit, un prophète est méprisé dans sa patrie. Aucun prophète n'est considéré dans sa patrie. La Bible dit, il n'est pu faire là aucun miracle. Toi, tu penses que c'était la volonté de Dieu? Non, il voulait faire les miracles comme partout ailleurs. Mais à cause de leur incrédulité, Jésus n'a pas fait des miracles là-bas. Donc pour te dire, Jésus est toujours disponible. La grâce de Dieu est toujours disponible. L'onction de Dieu est toujours disponible. Si tu gardes ta foi en Jésus, si tu demeures dans ta vie de prière, bien-aimé, notre Dieu finit par agir. Notre Dieu finit par guérir. Notre Dieu finit par délivrer. Bien-aimé, si tu cherches Dieu en profondeur, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en Dieu, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, commence à élever ta voix, commence à célébrer Dieu. Commence à dire à Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie.